Le temps du fil info à 9h22 avec Armel Balogog et on retourne évidemment au standard. Fabien Roussel craint une radicalisation des Russes. Si toutes les entreprises françaises quittent le territoire, ça risque de provoquer de graves conséquences sur l'emploi. Déclaration sur France Info du candidat communiste à l'élection présidentielle. Et combien de morts à Mariupol depuis un mois de guerre? L'Ukraine essaie d'établir un bilan dans la ville bombardée par la Russie. Environ 5000 personnes enterrées, autour de 10 000 morts. Selon la présidence ukrainienne, les pourparlers de paix reprennent aujourd'hui en Turquie entre les deux pays. Les accords de Paris sur le climat ne sont pas prêts d'être respectés. Aucun des candidats à la présidentielle n'est à la hauteur, selon une analyse des Shifters, une association spécialisée en partenariat avec France Info. Le compte à rebours est lancé pour les élèves de terminale. Ils ont jusqu'à ce soir pour enregistrer leurs 10 vœux d'orientation après le bac. La plateforme Parcoursup ferme à minuit et les lycéens pourront toujours ensuite peaufiner leurs lettres de motivation jusqu'au 7 avril. France Info. Élisée.